they are here. Alien Abduction Horror. Ouais. Bah ouais les amis, bah écoutez, j'étais en train de tester mon anglais. Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Du coup, on se retrouve pour They Are Here Alien Abduction Horror pour le prologue de ce jeu. Le prologue de ce jeu, pourquoi? Parce qu'on avait testé la démo il y a à peu près... voilà. Il y a à peu près tout ce temps-là. On avait testé la démo et ce jeu fait extrêmement peur. Enfin, moi, il commençait... Enfin, juste l'ambiance et tout est top. Il fait peur. Et je me suis dit, bah, ça fait un moment que j'ai envie de le tester en prologue. J'ai le prologue, donc pourquoi pas le tester? Je sais pas combien de temps il dure, pour le coup. Mais voilà. Alors, par contre, ce qui est un peu embêtant, d'habitude, les jeux d'horreur, je vous mets la cam. Mais là, je ne peux pas, les amis. Je ressemble à un putois. Tout simplement, un putois, un blaireau, ce que vous voulez. Je ne peux pas me teindre les cheveux. Il faut savoir, grande révélation, que je suis pas une vraie blonde. Et que du coup, mes cheveux sont marrons. Donc en ce moment, je suis marron et blonde. Et marron et blonde, c'est pas très beau en cam. Non, 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 c'est pas du tout un style qui me va. Pour le coup. Et je peux pas me colorer les cheveux parce que je suis enceinte. Donc on peut pas faire n'importe quoi quand on est enceinte. Voilà, c'est la seule explication que j'ai pour le nom, pour la non-caméra de cette vidéo. Je préfère ne pas vous faire peur plus que le jeu, déjà que les aliens font extrêmement flipper dans le jeu. Je vous lis le petit pitch du jeu. On regarde la démo, enfin, on regarde la démo, non. On regarde le trailer et on est parti pour tester du coup They Are Here Alien Abduction Horror. Donc, jouer au prologue ou dans la démo mise à jour, pourquoi pas. Histoire d'horreur à la première personne sur un journaliste qui a été témoin d'un enlèvement extraterrestre à la ferme de Greasewood. Ouais, Greasewood. Prenez des photos de preuves de la présence d'extraterrestres et allez au fond de l'horrible vérité. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire les amis, c'est ce qu'on va faire avec They Are Here Alien Abduction Horror. Je sais pas pourquoi j'aime ce titre. Bref, je vous mets la petite... je vous mets le petit trailer, je vous mets le petit trailer et puis on est parti pour tester ce jeu. Hein? Alors, faut que je retrouve ma touche, mais je vais la trouver, ne vous inquiétez pas. Alpha calls data. Unidentified object begins pushing. 10 seconds to land. Delta on the line. Moving to identify the object received. Urgent. This is Omega. We see you. We are monitoring. Bon, et ben voilà les copains, bah écoutez, ça a l'air plutôt sympa, non? Franchement, quand je vous dis qu'il a l'air de faire peur le jeu, il a l'air plutôt pas mal. Alors, ce qui est bien aussi, j'ai remarqué, je sais pas si ça y était pendant la démo, mais on va pouvoir le tester en français, du coup. Et pour un jeu à histoire, bah c'est très bien d'avoir le français, dans les langues. Il y a le russe, il y a tout plein de langues, donc du coup, c'est bien qu'ils y aient pensé. Bah écoutez, c'est parti. Le prologue raconte l'histoire de la première rencontre avec un ovni qui a eu lieu 30 ans avant les événements présentés dans la démo. Le protagoniste est le soldat Michael Anderson qui sert sur une base militaire près de Greasewood Farm. Par hasard, il est témoin d'événements terribles et inexplicables. D'accord. Par contre, c'est bien que la musique s'arrête. Ah. Ah bah non, ils nous refont le... voir si c'est vraiment tout pareil. Introduce yourself. No answer. Switching to heat control.
C'est moi, Michael Anderson. Bah, c'est parti, hein. C'est parti. On va aller voir le site, du coup, de l'atterrissage. Franchement, je suis pressée qu'il sorte, ce jeu. Je suis sûre qu'il va être terrible. Terrible. Je suis en anglais. Regardez juste ça, quoi. La qualité du truc. Tellement bien. Alors, nous, dans la démo, on a joué le mec de la ferme, quoi. Attendez, il y en a plein, là. L'effet de lumière et tout, quoi. Ok. Allez, I read you 5x5, sir. Out. Une flashlight ou pas? Pas super éclairante. Du coup, il se déplace assez, cet objet. Si je vais dans les champs... Je le sens tellement pas. Je vais par là. Ça bouge. Oui, ils sont deux. Hein. Oh. Franchement, il tourne super bien. Il est en épique. Qu'est-ce que couis-je ? Coucou ? This is Omega. We see you. We are monitoring. Ah, c'est vous, d'accord. Ça fait moi peur, quoi. Ah, je vous suis, hein, à pied, hein. C'est bien beau de m'envoyer, quoi. Alors, je sais pas si ça va faire qu'une vidéo ou plusieurs, les copains. Je vais pas couper, hein, pour le coup. J'espère qu'après ça, vous croirez aux extraterrestres. Sait-on jamais? Alors, j'ai rien pour me défendre. Hein. Je peux zoomer. Dézoomer. Oh, je suis l'hélico. Hein. Pas tellement le choix. Hein. Ils m'attendent pas, de toute façon. Ah, il y a une route, là. Peut-être mieux de marcher dessus. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicator is average. Ouais, il y a quelques petites radiations. Non, vous êtes pas silencieux, non. Il y a un bruit dans mon... Ouais. On continue, hein. Moi, je vais me faire choper dans les bois, c'est tout, hein. D'accord. Panique un peu mon perso. Hein. Putain, j'ai eu peur de l'arbre, quoi. Sérieusement. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels are rising. Over. Ouais, c'est pire en pire, je vois bien. Base, can you hear me? Something strange is happening. Devices break down. Indicators are constantly changing. Can't be, but everything breaks down at the same time. C'est plutôt bien, c'est que j'ai l'impression qu'on peut aller n'importe où. Je regarde un peu. Non, c'est spécialement le chemin. This is the base. Omega, stay away from the object. Observe the object from a distance. Très bien. Bah, faut dire que je trouve l'objet, hein. Quoique Omega, c'est pas moi, hein, c'est eux, hein, mais... Il y a un drôle de bruit quand même. Hein. J'arrive, hein.
Y a-tu le mouvement où Omega, fly away. Michael Anderson, follow protocol. Quoi? What's going on? Ça me rassurait qu'il soit là, maintenant je suis dans la merde. Oh purée que j'aime pas ça. Can anyone hear me? Over. Can anyone answer? Damn it. Purée, on est pas bien. Il y en a partout des machins. Ouais, je me tire. Peut-être pas le meilleur endroit où aller, mais... Non, peut-être pas, non. J'ai peur. Non, j'aime pas, il y en a de plus en plus. Je me tire. Un mauvais nom, hein. On se comprenne bien, on est dans la merde. Hein. Est-ce qu'il y a. J'ai quoi d'autre? J'ai ça, c'est tout. Je peux rien faire de. À part rec, quoi. En fait, il enregistre mon perso, quoi. Ah, on va aller tout droit, hein. Et de suivre l'objet. D'aller voir l'objet. Non, c'est pas une bonne idée, ouais, je sais bien. Pas tellement le choix. Je vois que ça comme objectif, en fait. Calme-toi. En vrai, j'irai jamais là. Mais hein. Pas vous, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas parti de panique. Mais franchement, j'irai jamais. À sa place, j'y serais jamais allé quoi. Pas que c'est un militaire et qu'il est obligé, mais. C'est bien qu'on puisse couper le chemin comme ça. On va plus vite vers notre mort, j'imagine, mais. Ok, quand il est trop fatigué, ça fait une sorte de truc à l'écran, donc j'arrête. Extrêmement flippant, en vrai. Je m'obstine à aller tout droit, mais ça se trouve, faut pas y aller. Hein. Y a moyen de se mettre à quatre pattes? Non. God, what is this? C'est rien, c'est rien. Tout à fait normal. Ah. Hop, purée. Il y avait un truc, non? Non, pas moi. Oh putain, je vais crever quoi. Ah non, maman. They are here. Vous l'avez dit, hein. C'est tellement fort le jeu. Oh, c'était tout. Ah. Ok.
Ok. Bah moi je l'ai déjà ajouté à ma liste de souhaits. Franchement le jeu, bah très court le prologue. Attendez, je vais baisser le son parce que comment ça, hein, crier un peu. Franchement le jeu, à la fin il va être juste, il suffit que ça dure très longtemps on va dire. Mais ça m'a fait tellement peur. Je pense pas qu'on puisse les esquiver pour le coup. Nos petits copains les aliens. Dommage que le prologue dure si peu de temps. Peu de temps, bah on l'a fait peut-être trop vite, j'aurais dû prendre mon temps, etc. On a peut-être loupé des trucs, hein. On a peut-être loupé des trucs, j'en sais rien. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer mais quel courage en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Et puis nous, on se dit à bientôt. Allez, ciao. J'ai pas eu peur, hein. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres. Et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao.